このちっちゃい惑星、どうでもいい惑星。お前らはもうすぐ俺にお辞儀する。深海から来た。俺はライアンフィッシュキング。すべてのザゴを倒しだ。双子諸の魚一匹そんそ倒しだ。俺のガノはすでにカリビアン星愛してる。誰も俺を止ることはできねえ。そろそろ世界の支配者になる。そうか。何？もう巧みにひれぶ！Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, ça va pas être très très subtil, hein. Ah. Bon, on peut dire que cette introduction, elle m'aura demandé du temps. Et là, je la finis pile poil pour le documentaire du mois de juillet. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaute Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière car on reçoit pour la première fois la visite d'un guest, donc restez bien jusqu'au bout. Et je dis pas ça pour le watch time hein. Voici le second épisode de ma série de vidéos subtilement intitulée « Tuer des animaux dans un parc national ». Mais avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne. Car j'ai plein de projets pour 2021, donc autant ne pas les rater. Dans la dernière vidéo, je te parlais de l'acanthaster, le monstre épineux dévorant la grande barrière de corail. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore pire. Alors aujourd'hui, on va changer de continent pour rencontrer le lionfish qui a tout simplement pris le contrôle des Caraïbes. Bardé de pics venimeux et avec un appétit disproportionné, ce poisson a tout d'un méchant de manga. En quelques années, cette espèce s'est développée et a conquis un territoire immense allant du golfe du Mexique jusqu'aux côtes américaines. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on régule cette espèce invasive. Et on en profitera aussi pour en apprendre plus sur cette créature, sur son métabolisme et aussi le défoncer à coups de pique. Eh bah oui, on va le défoncer à coups de pique, hein. Mais c'est un peu le concept de la régulation, tu vois, c'est tu plantes, tu manges. Bon, on peut aimer la nature et aimer les filets aux fiches. C'est pas antinomique. Tiap, tiap, dans les costilles. Je trouve qu'il y a un côté, si tu ne viens pas à Lagardère, il va te suriner dans les... Mais commençons par les origines du mal. Good evening. With winds of 100 miles an hour, Hurricane Andrew is heading towards South Florida. Andrew, very, very powerful storm. Yes, it's right into southern Miami. Andrew, En 1992, le terrible ouragan Andrew frappait les États-Unis et dévastait toute la Floride. En plus du millier d'habitations détruites, un aquarium fut endommagé lors de ce cataclysme. Et forcément, dans cet aquarium, tu t'en doutes, il y avait 6 lionfish qui réussirent à s'échapper pour causer la désolation dans tout le golfe du Mexique. C'est ça ou bien c'est le petit Kevin qui a relâché les poissons de son papa dans un ruisseau? Entre nous, je préfère la version de l'ouragan détruisant un aquarium avec des poissons faisant une prison break au petit Kevin, hein. Puis heureusement que c'était pas un parc à dinosaures. Et Dieu merci,
tous les scientifiques s'accordaient à dire que le lionfish ne survivrait pas aux eaux hivernales de la Floride. Non. Ok. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais en réalité, le lionfish se cachait. Tapis dans l'ombre et ourdissant ses noirs secrets, il préparait sa revanche lentement sur le monde animal. Alors, je veux pas trop déranger, hein, mais un poisson scorpion, ça ressemble plutôt à ça, en fait. Melvac ? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo ? Et puis, il est très joli, ton poisson, hein. Mais tu vois, le mien, déjà, il a plus de pectoraux. Et comment ça, poisson scorpion ? Moi, je parle du lionfish. C'est quoi ce nom, là ? Eh bien, en réalité, les lionfish, ils sont aussi appelés poissons scorpions. En fait, il y a un paquet de noms différents pour qualifier toutes ces bestioles. Et aujourd'hui, on en retrouve énormément dans les Caraïbes, alors qu'à une époque, on pensait que ceux-ci n'allaient pas s'y installer. Autant vous dire qu'on est vraiment passé à côté de la plaque, mais maintenant, la question intéressante, c'est de savoir pourquoi. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Il faut savoir que les espèces invasives, qui vont se développer à outrance et causer pas mal de soucis, elles possèdent généralement des sortes de super pouvoirs du vivant qui vont expliquer pourquoi celles-ci prennent le dessus sur toutes les autres. Et dans le cas du poisson scorpion, des capacités hors du commun, il en possède plusieurs. Déjà, il peut se nourrir d'une grande quantité d'animaux différents. On appelle ça une espèce généraliste, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, il peut se trouver quelque chose à manger pour survivre. Ensuite, il faut savoir que ce poisson, il peut se reproduire très tôt et de manière très importante. Là, on parle de millions d'œufs libérés par an directement dans l'eau et qui peuvent flotter en surface en suivant les différents courants. Ce qui est parfait pour se disperser et envahir une très large zone. Enfin, ce poisson, il est également protégé par un venin assez puissant présent dans ses épines et qui l'empêche de finir dans la bouche de nombreux prédateurs. Des prédateurs qui, en plus dans les Caraïbes, sont très souvent victimes de la surpêche humaine. En d'autres termes, l'invasion de ce poisson, on lui a un petit peu déroulé le tapis rouge. Merci Melvac pour cette apparition. Et effectivement, on peut dire qu'ils en ont bien profité de ce tapis rouge, car l'expansion des lionfish aura été fulgurante. En 2000, un lionfish a été découvert en Floride, à Palm Beach, puis un autre, et un autre, et moult. En 2001, il était présent dans pas moins de 14 différentes zones de la côte américaine. Et en seulement 10 ans, il s'est implanté dans toutes les Caraïbes, allant des plages de Palm Beach jusqu'à l'Amérique latine, en passant évidemment par le Mexique. J'ai fait sa connaissance sur l'île de Saba, entre 2019 et 2020, dans le cadre de mon métier de plongeur. Ici, le lionfish est apparu en 2010, et depuis, il fait plus ou moins partie du paysage. Tu trouveras en description de cette vidéo le protocole mis en place par les biologistes de Saba pour tenter de contenir cette propagation. Et je dis bien tenter, car moi, à chaque plongée ou presque, je pouvais en croiser des lionfish. Et justement, laissez-moi vous montrer ça. Le but de cette plongée est de repérer les zones les plus peuplées afin de revenir pour les réguler plus tard. Ces poissons sont relativement sédentaires et donc faciles à retrouver. Les cibles prioritaires sont les gros lionfish, car plus les femelles sont grosses et plus elles produisent d'œufs. C'est un poisson simple à repérer. Il sera toujours caché à l'ombre des grottes ou dans les alcôves de corail. Et si tu glisses ta tête dans un trou, prends bien soin de bien regarder au-dessus, car il est aussi capable de s'accrocher aux parois avec la tête en bas. Mais contrairement aux autres îles des Caraïbes, Saba a été relativement moins impacté par cette invasion. Et il y a deux grosses hypothèses pour expliquer cela. En premier lieu, la topographie de Saba. C'est une île très ouverte, et les lionfish étant de mauvais nageurs, ils vont être souvent gênés par le courant. De plus, la topographie à base de tombants et de pinacles leur laisse également moins d'espace. Et pour finir, leurs œufs peuvent être nettoyés par les courants et emportés au large, où ils se disperseront. La seconde hypothèse s'appuie sur la biodiversité de Saba. Le parc naturel de Saba n'a pour ainsi dire jamais été exploité, et nous avons ici une très grande variété de poissons et de prédateurs. Le récif est ainsi bien plus résilient, car il ne repose pas sur une seule espèce unique, mais sur tout un groupe d'interactions. Alors comme l'a expliqué Melvac, ce poisson a beaucoup de super pouvoirs. Et surtout, il a son venin, qui complique beaucoup sa prédation par les autres espèces marines. Il a des pics venimeux dispersés un peu partout sur son corps, à la base de ses nageoires pectorales, de ses nageoires caudales, et surtout aux extrémités de ses grandes pics dorsales, celles-là. En cas de danger, il se positionne naturellement dos à celui-ci. Il peut ainsi s'enfuir rapidement, tout en gardant ses pics pointés vers l'éventuel prédateur. Et là, je voudrais parler sérieusement. Ces animaux, ces poissons, sont dangereux et ils sont venimeux. Et je vous déconseille vraiment
de vous en approcher autant. Moi, j'ai un truc pour pas prendre trop de risques. En fait, ce que j'utilise, c'est un trépied Gorillapod. C'est un peu ce que vous voyez là. Attendez, je vous montre. Hop là! Voilà ce que j'utilise. Et en fait, ce trépied, je peux lui donner la position que je veux. Ça me permet de bien placer les pieds sur des cailloux afin de ne pas abîmer le corail, tu vois. Il va être bien stable et je le laisse avec la caméra dessus. Et c'est le poisson qui va s'approcher de ma caméra et pas moi qui vais chasser le poisson. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser cette technique. Ça vous évitera de prendre des risques inconsidérés. Et au passage, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse en fait des vidéos un petit peu astuces pour vous montrer comment est-ce que j'utilise mon matériel dans mes documentaires sous-marins. Quoi qu'il en soit, soyez prudents et gardez vos distances. Non, effectivement, hein, parce qu'on va pas se mentir, la piqûre, elle peut engendrer de sales blessures. Du coup, si vous en croisez un durant vos vacances, faites bien attention et gardez vos distances. Ici, on est avec un professionnel, donc ça passe. Absolument, Melvac. Je suis un professionnel. Je dirais même plus que je fais partie de l'élite. Et l'élite, elle a un joli petit cul. Sur l'île de Saba, la fondation SIF a mis en place tout un programme de régulation. Ils ont élaboré un protocole technique et rigoureux afin de chasser les lionfish en toute sécurité. C'est Yellow Van de Verre, le Marine Park Ranger, qui se charge de briefer et d'autoriser les actions de régulation. Si cela t'intéresse, tu pourras suivre toute cette séance de régulation avec Yellow sur la chaîne de Melvac. Le lien de sa chaîne est justement dans la description et c'est la petite vignette qui apparaît là. Donc sur la vidéo de Melvac, tu trouveras la bonne façon de chasser ce poisson. Et quels sont les bons outils ? Oui, car là, c'est pas ce qu'on va voir. Non, parce que sur la chaîne Argonautes, on aime le panache. Et surtout, le style. C'est pourquoi je vais vous présenter Max, que vous avez peut-être vu sur mon Instagram, et qui était parti bouter du lionfish avec un pieu fait maison. Donc, dans la séquence qui va suivre, on va être avec Max. Et on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'à peu près tout ce qu'il fait est une mauvaise idée. Oui. Tout commença un lundi matin, tôt. Nous voilà donc au petit matin dans les locaux de CISEB. Et je vous laisse deviner sur cette image qui est Max. C'est une journée particulière, car n'ayant plus de clients, les propriétaires de CISEB avaient décidé d'inviter toute l'équipe à aller plonger et aussi à aller tuer quelques lionfish tant qu'à faire. This is a prototype. Ouais, histoire de se détendre un peu. This will be able to hunt several things. Max, dans son âme de pionnier, s'était quant à lui pris d'affection pour un bout de bois et il comptait bien le transformer en pieu afin d'aller propager la liberté et la démocratie sur le récif de Saba. Car oui, Max, il est américain. Arrivé au port, Max demande l'aide de John, le vénérable artisan de Saba. C'était vers lui que l'on se tournait pour réparer ou fabriquer des trucs servant à éclater d'autres trucs. Grâce à son savoir ancestral et aussi à sa ponceuse à bande, John transforma le pieu en une lance de gros bourrin. Et Max était ravi. Moi, comme à mon habitude, je prévoyais de suivre le gros de l'équipe. Mais quand j'ai compris que Max prévoyait de partir seul pour charger des lionfish à la baïonnette, eh bien, vous vous en doutez, j'ai pas pu résister, hein, et je me suis joint à lui. Et entre nous, même si je me moque beaucoup de Max dans cette vidéo, j'ai en réalité un profond respect pour lui. Car chasser le lionfish, c'est déjà une activité dangereuse en soi, mais se fabriquer une lance, puis partir l'essayer sur le terrain en mode prédateur avec des requins, eh ben, c'est une toute autre affaire. Hein. Et croyez-moi, ça ne se voit pas tous les jours. Vous remarquez peut-être que ça se voit pas parce que les gens qui font ça meurent jeunes. Nous voilà donc fin prêts à descendre, mais comme avant chaque plongée, pour des mesures de sécurité, Max et moi devons définir clairement notre objectif. Il est très simple. C'est de tuer. Oui, voilà, donc là on est sur un objectif clair. Attends Max, je crois que t'oublies un truc. Parfait. A tout de suite dans l'eau. Nous voici donc dans les canyons de Saba à la recherche de notre poisson. Pour cette plongée, on a favorisé des eaux peu profondes, car si on se blesse, on pourra revenir rapidement au bateau sans passer par les paliers de sécurité. Les premiers essais ont été assez frustrants, car Max ratait beaucoup d'occasions et moi je n'arrivais pas à filmer correctement. À ce moment-là, je t'avoue que j'avais très peur de me rapprocher, car un lionfish blessé ou en fuite peut être très rapide et très très dangereux.
si vous voulez filmer ça, déjà faites gaffe, et il y a deux techniques. Soit vous restez derrière le chasseur, comme je le fais, et là vous êtes protégé car le lionfish va chercher à éviter la lance. Soit, avec le trépied que je vous ai montré, vous posez la caméra directement à côté du poisson. Heureusement pour nous, le lionfish a un gros point faible. Il est très simple à approcher. N'ayant aucun prédateur, il ne s'enfuit qu'au dernier moment, préférant montrer ses pics comme outil d'intimidation. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Mais Max, les pics, il s'en fout, car Max, lui, il a une lance. Alors là, on va voir le premier problème de Max avec sa lance. N'ayant qu'une seule grosse pointe, il ne va pas pouvoir transpercer le poisson. Celui-ci pourra alors s'enfuir avec une belle balafre. Avec une lance à trois pointes, il aurait été beaucoup plus simple d'attraper le lionfish, car les fines broches l'auraient transpercé et le poisson aurait ainsi été bloqué. Alors une fois que le lionfish nous identifie comme un danger, il est très très difficile à attraper. Tu vois, en fait, il va bouger très très vite et esquiver tous les coups. Mais ce lionfish ignore une chose. Max est américain. Vous entendez ce bruit ? Ça, c'est le chant de victoire de Max, hein, qui d'un revers de lance vient tout simplement de balayer toutes les critiques envers lui. Vous voyez, le but de Max était de frapper le lionfish contre la paroi, afin de bien l'embrocher et le bloquer. Mais ça, c'était juste la partie la plus facile. Car Max, en plus de sa lance faite maison, a pris un sac filet tout nul pour entreposer le poisson. C'est vraiment très dangereux, car le lionfish pourra toujours bouger à l'intérieur du sac et se débattre. Regarde cette photo. Le risque avec ce sac est qu'un pic venimeux comme celui-là dépasse et blesse Max. L'outil adéquat pour entreposer un lionfish est en fait un tube en PVC avec une entrée à sens unique, permettant ainsi de bloquer l'animal comme sur ces images. Là c'est simple, rapide et bien moins dangereux. Mais Max, lui, s'en fout du tube en PVC. Donc il n'a qu'une seule option, tuer le lionfish. Et pour ça, il va utiliser son couteau. Ah ouais, je vous l'avais dit, il y a un petit côté prédateur dans l'approche de Max, hein. C'est bourrin. Donc si vous voulez procéder de cette façon, assurez-vous bien que le poisson soit immobilisé, c'est très important. Ensuite, approchez toujours le couteau par le côté du poisson. Surtout si, comme Max, vous utilisez un petit couteau. Regardez ce schéma, les nageoires pectorales ne sont dangereuses qu'à leur base. Donc si vous frappez ici, sur le côté, vous resterez plus ou moins en sécurité. Et au passage, je voudrais faire une petite clarification. Je sais que ces images peuvent vous sembler barbares, mais en réalité, Max est très respectueux de l'animal, car il abrège tout de suite les souffrances du poisson. En plus, Max prend de vrais risques pour cette pêche, et comme tu vas le voir, il n'a pas fini de galérer. Parce que le dernier gros problème de la lance de Max est qu'elle n'a pas de butée, donc elle va trop s'enfoncer dans le poisson. Et cela va rendre l'extraction de ce poisson très difficile. D'ailleurs, pour soutenir Max et lui témoigner notre respect, j'ai envie de changer un peu la musique de fond, tu vois. Pour quelque chose d'un peu plus épique. Voilà, ouais, c'est quand même plus dans le thème, hein. Et pendant que Max galère, on va en profiter pour répondre aux futurs commentaires très pertinents de Jean Dauphin. Ouais, mais pourquoi vous laissez pas le poisson se faire manger par des requins ? C'est complètement con, là. Eh ben, pour deux raisons, Jean Dauphin. Premièrement, les requins ne doivent pas assimiler les plongeurs à de la nourriture. S'ils commencent à associer mes bulles avec un casse-croûte, ça va créer des situations compliquées pour mes miches. Et ça, ma maman refuse formellement. Deuxièmement, dans un parc national, il est interdit de changer les habitudes des prédateurs. Car s'ils arrêtent de chasser, cela peut in fine changer l'équilibre de notre récif. Et en ce qui concerne les dressages de murènes ou de requins pour attaquer les lionfish, hein, je pense que c'est une très mauvaise idée. Déjà parce que c'est pas des pitbulls, et puis d'une façon générale, je pense que l'homme doit limiter au maximum les interactions qu'il a avec la vie animale. Alors, c'est une pratique qui est courante dans certaines eaux françaises, donc si toi tu penses le contraire, eh ben c'est très bien, tu vas dans l'espace commentaire, hein, et puis tu dis que t'es pas d'accord. Non, non, je fais pas ça pour le référencement. Il en est où, Max ? Est-ce qu'il galère toujours ? Bah ouais, il galère toujours. Bon, donc, vous aurez compris, ce que vous montre Max n'est pas la bonne façon de procéder, hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Mais au moins, ça a le mérite d'avoir du panache, hein. Et ça, sur la chaîne L'Argonaute, on respecte. Ah, voilà. Max est finalement arrivé au bout de ses peines. Et on peut le féliciter, hein, car c'était clairement pas gagné. Rappelez-vous, il utilise une mauvaise lance, un mauvais sac, un couteau trop petit et un binôme parfaitement inutile.
Mais vous savez ce qu'il a sauvé? Les 2000 plongées qu'il avait faites avant. Et c'est là où je vais en venir avec cette vidéo. Le matériel est primordial, mais c'est votre expérience qui fera toute la différence. Et je vais vous faire une confidence. Ce jour-là, Max fut le seul à attraper des lionfish. Le seul. Maintenant que nos poissons sont hors de l'eau, hein, et puis morts du coup, on va s'intéresser à la dernière partie. Comment cuisiner un lionfish? Et tu vas voir que ça passe très très bien. Avec un petit vin blanc, tu vas voir... Bienvenue dans l'une des plus prestigieuses institutions de l'île de Saba, les cuisines du Brigadoon, pour une séance spéciale Argonautes Petit Chef. Tu trouveras au passage l'intégralité de la recette dans la playlist bonus, ainsi qu'une petite interview de mon ami TJ qui nous explique pourquoi et comment est-ce qu'il s'est mis à cuisiner du lionfish. Alors oui, justement, la cuisine, parlons-en, car c'est loin d'être une idée farfelue pour s'occuper de notre poisson problématique. Il faut savoir que lorsqu'une espèce se développe à outrance, eh bien tenter d'utiliser notre mode de consommation à outrance pour réguler ses populations, sur le papier, ça paraît être une bonne idée. Si la cuisine du poisson scorpion se développe aux Caraïbes, il faut savoir que cela est également le cas à Chypre, en Méditerranée, où l'Europe a financé un grand programme de régulation des lionfish qui passe notamment par leur consommation. Les pêcheurs et les cuisiniers du coin sont donc invités à s'intéresser à cette espèce qui est aussi extrêmement problématique dans la zone. Non, c'est vraiment un très très bon poisson. En fait, j'aimerais beaucoup qu'à travers cette vidéo, je te donne l'envie de demander du lionfish dans des restaurants, et puis bah peut-être que ça peut donner quelques idées à des restaurateurs en Méditerranée. Parce que mine de rien, TJ, il en vend plus de 100 par mois. Donc mine de rien, ça peut vraiment avoir un gros impact. Et en plus, c'est bon et ça fait du poisson à vendre pour les pêcheurs. Donc on se retrouve pour la conclusion. Et puis moi, bah je vais finir le petit père. Hein. Et j'en profite aussi pour remercier TJ qui nous a accueillis dans sa cuisine. Et puis je voudrais aussi remercier Melvac. Bah c'est con que tu sois pas là mon gars parce que t'aurais eu du poisson. Hein. Pas de poisson. Comme ça. Allez, je te retrouve à la conclusion. Which kind of also the sausage? Alright, ah, oh, it's super cool. Thank you. Bon, j'espère que cette fin de vidéo vous aura ouvert l'appétit. En tout cas, moi, le Brigadoon, je recommande. Hein, c'est Argonaut Approved. Alors, pour résumer et finir cette vidéo, le lionfish est une espèce invasive, sa population est très difficilement contrôlable, et surtout, j'aime beaucoup la chaîne de Melvac. Tiens, bah, d'ailleurs, qui mieux que lui pour présenter son travail? Bah, écoutez, bonjour à tous, merci Argonaut de m'avoir invité ici. Et du coup, ouais, je m'appelle Melvac, j'ai une petite chaîne YouTube qui parle de l'océan et de tous ses habitants, dans laquelle je vais essayer de vous transmettre ma passion pour cet écosystème à travers des vidéos de 5 à 10 minutes allant de « Peut-on prédire des cyclones avec des coquillages ?» jusqu'à « Pourquoi les baleines peuvent exploser ?» Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de faire des choses un petit peu fun et ludiques autour du monde marin. D'ailleurs, je crois que ce type-là avait passé une mauvaise journée. Clairement, oui. Et donc, pour en revenir au sujet du lionfish, on peut vraiment comprendre que cet animal a une vitesse de croissance exponentielle. Ah bah oui, oui, hein, c'est vraiment un animal qui cumule hein, entre la croissance, la reproduction, son venin, qui en fait une proie très difficile. On est vraiment sur un poisson là, qui est plus que problématique. C'est vrai. D'ailleurs, n'oubliez pas, chasser le lionfish, c'est dangereux, et il faut vraiment suivre une formation spécialisée et être un plongeur confirmé. Mais si on devait finir cette vidéo sur une pointe plus positive, depuis un certain nombre d'années, la population de lionfish semble s'être stabilisée. Et il semblerait même qu'une maladie de peau commence à toucher les lionfish au Mexique. Donc, c'est une affaire à suivre. Et quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant pour cette série de vidéos sur la régulation des espèces invasives, car Melvac m'a dit que cette espèce-là commençait à s'implanter près de chez nous. Et oui, si cela t'intéresse d'en savoir plus sur ce poisson et ses diverses invasions à travers la planète, je t'invite à regarder la vidéo qui est présente cette fois-ci sur ma chaîne et qui explore ce qui se passe en Méditerranée. Que ce soit l'histoire, les impacts ou encore les enjeux, tout est très différent des Caraïbes, alors je pense que cela pourrait t'intéresser. C'est une très bonne idée. Bon, on va aller la voir. Ah bah oui, oui. Hein, on va voir ça. Ouais, vaudrait mieux. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je vais aussi en profiter pour remercier Mapping Motion bah, qui m'a aidé pour mon intro, qui est une chaîne de YouTube dédié à After Effects, et puis un de mes abonnés qui m'a aidé pour faire la voix off. Merci beaucoup à vous. Et sinon, bah peut-être remercier Melvac. Hein bah, écoute, c'était un plaisir de collaborer avec toi. Il y aura sûrement d'autres occasions dans le futur.
Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo en particulier... Parce que les autres, on n'est pas sûr, hein. Ah bon ? Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo en particulier, n'oubliez pas de vous abonner, hein, et de commenter, sinon Melvac a dit qu'il ne reviendrait pas parce qu'il vous aime pas. Mais j'ai jamais dit... Exactement, et donc on se retrouve bientôt pour une vidéo Argonaut Pro, et d'ici là, on se revoit dans le bleu. Merci les gars. Fond du noir, on est bon. Je vais écouter ça. Bon bah voilà, on l'a faite cette vidéo finalement, chaud pour la prochaine. Alors oui, justement, j'ai lu ton script, hein, sur les grands requins blancs. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée que tu ailles avec un steak. Non, tu sais, je suis un professionnel, hein. Moi, j'ai des caleçons, attention, hein, c'est des caleçons professionnels, hein. Moi, c'est en Kevlar, hein. Il peut rien m'arriver. Moi, non, j'ai des caleçons. Ouais. Non, le requin me respecte. Tu vois, les dents de la mer, il vient, il dit pardon. Mais où on va?